Salut à toutes et à tous, on va se refaire un petit tour sur World of Warships avec un navire français, le Carnot, qui est arrivé au tier 9. Alors, le Carnot n'existe pas. Hein. On va dire que je dis tout le temps du mal de Wargaming dans mes vidéos, mais bordel, il y a suffisamment de navires qu'on pourrait exploiter, de navires existants. Donc le Carnot, c'est le pendant français du Super Cruiser. C'est-à-dire bah de ce qu'on a déjà côté américain avec l'Alaska ou côté japonais. Donc il fallait un super croiseur pour la France. Alors voilà, Wargaming a sorti le Carnot dont la justification historique est, accrochez-vous, que c'est la pré-ébauche de ce qui allait devenir le croiseur de bataille Dunkerque, qui est au tier 6. Donc la pré-ébauche. Donc une pré-ébauche, si elle n'a pas été retenue, c'est qu'on se dit qu'elle était moins bonne que la version finale. Donc la pré-ébauche est au tier 9, là où le navire réel qui a existé est au tier 6. Merci d'avoir suivi. Faut pas chercher à comprendre. Je fais comme ça. Donc le Carnot reprend par contre certaines gimmicks qu'on attribue au croiseur français. Bon, là pour le coup la DCA est pas vilaine. Alors dans les gimmicks on a simplement la tourelle quadruple. Alors il n'y en a qu'une puisque le Carnot a 9 canons, 10 canons pardon, 2 tourelles triples et une tourelle quadruple, petite gimmick. Il a le boost moteur, par contre il n'a pas le consommable de rechargement rapide, il n'a pas de radar, il n'a pas de sonar, ce qui fait qu'il amène rien dans la bataille. Le canon anti-aérien est en état d'alerte normal. Que dalle. Si ce n'est une puissance de feu qui est pas dégueulasse, parce qu'à la différence par exemple de l'Alaska, il va avoir cette trajectoire française bien connue qui est plate avec des obus qui vont vite, des AP bah, qui du coup peinent aussi très horizontalement, font assez mal au bâtiment broadside. Il est rapide comme la plupart des navires français et du coup bon, voilà, il amène sa puissance brute dans la bataille. Mais c'est tout, il n'a pas d'autre outil. Par contre, en soi, je le trouve plus fun à jouer que l'Alaska, parce que déjà, il est plus rapide, il est plus agile. On esquive, il est plus précis. On esquive ou pas. Il est relativement tanky. Alerte incendie. Si on l'angle bien, il peut être assez tanky. Il encaisse. Détroyer ennemi détecté. Il n'y a pas que moi sur Terre. Boost des moteurs activés. À cette distance-là, ouais, j'ai eu 2 sur peine et une peine. C'est pas beaucoup, mais on va faire avec. Alors, c'est un bateau qui se joue en déplacement. Il faut profiter de sa vitesse. Bon, on va essayer de profiter aussi de la DCA du Rochester. Donc moi pour le coup le Carnot, oui, bon, c'est un petit premium sympa que j'aime bien, même si je regrette qu'on soit pas parti sur un navire un peu plus crédible. Mais faut bien faire avec, faut bien se dire que je cherche plus du tout une approche pseudo réaliste ou quoi que ce soit. Comment je peux rater ça? De cette façon, comment je peux le rater ainsi? Nom d'un chien. Il s'offrait le tuer. Il s'offrait totalement. Ah, par contre, il n'y a pas de torpille sur le Carnot. C'est juste de la pure artillerie. Ouh, il s'en va très mal. Bon, qui me regarde. Oh la vache, c'est violent. C'était très violent. Oh,
Chasseur ennemi repéré. Destroyer ennemi repéré. Ah, c'est tout ou rien. Soit je mets la sauce, soit je tire à côté. Si on pouvait profiter de l'assaut de ce conquérant. Attention, aidez cette cible. Il sort de là, absolument, je suis d'accord. Avance-toi. On puisse te mettre la patate. Torpille droit devant. Non, 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 c'est torpille, tu les gardes. Croiseur ennemi détecté. Cuirassé ennemi repéré. Boost des moteurs désactivé. Torpille à midi. C'est moi ou je suis trop mal là? Il avait ralenti. Il avait ralenti aussi. Bon, j'ai envie de faire un truc stupide. J'ai envie de faire un truc stupide. Alerte incendie. Torpille à midi. Torpille droit devant. Si je faisais un truc stupide. Oh, on est parti pour le truc stupide. T'as eu tellement mal. Tellement. Le truc stupide a marché. Attends-toi, je te veux. Torpille droit devant. Je peux tuer quelqu'un là parce que je fais des dégâts mais j'ai tué personne encore. On peut tuer du monde. Boost des moteurs activés. Merci. Torpille à bâbord. Croiseur ennemi détruit. Torpille à midi. Torpédobite. On ralentit pas, on passe à fond. Le Yamato Broadside. Reste à la paix. Il ralentit beaucoup trop. Ou pas. Bah, il ralentit trop. Oh, parce qu'on était sur les trucs stupides, on va rester. Je continue à foncer à 41 nœuds. Side, je peux pas résister. Mais oui, oui, oui. Porte-avions ennemis repérés. Mais on est d'accord, faut que tu fasses ça. L'équipage des canons anti-aériens est en alerte générale. Non, tu ne retournes pas sur moi. Alerte incendie. Oui, oui, on continue. C'est débile. Problème résolu, chef. L'équipage des canons anti-aériens est en état d'alerte normale.
incendie. À cette distance, bravo. L'équipe ennemie a pris l'avantage. Mais comment il faut... C'est pas possible, Conqueror, mais c'est pas possible. Ça m'agace. Ouais. Cela n'a rien à voir d'ailleurs avec les capacités de notre jeu du bateau. Notre carte. Juste dommage que le contournement avait bien marché. C'est dommage. Hein. On va reprendre un cap. Mais cette partie est paumée. Le booster a fait du bon taf. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé, qui est mort, comment. Pendant le push, j'ai pas trop compris. Quoi qu'il en soit, le Carnot, bah oui, c'est un navire plutôt fun, à défaut d'avoir une cohérence. On va dire qu'on s'amuse avec, voilà, et c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes parties, coulez pas trop, et à bientôt, ciao.